Salutations, nous nous retrouvons à nouveau sur Assassin's Creed Révélation pour la suite de notre aventure. Dans l'épisode précédent, on a pu parler avec le jeune prince. Enfin, surtout, on a eu un petit flashback d'Altaïr où on a aperçu pas mal de choses. Notamment le fait qu'il a perdu un fils, que le mec qui l'a trahi la première fois l'a retrahi. Après on a parlé au prince, le prince voulait tuer quelqu'un, je l'ai tué, au final il était pas méchant. Il s'est passé des trucs. Il s'est passé moult choses. J'ai été repéré, l'échec de la mission, ça a été rapide. Faut s'infiltrer mec. Faut pas être bourrin. Malheureusement je suis un bourrin. Dans mon ADN, il n'y a que du bourrinage. Non, c'est pas passé dommage. Genre, la full course, si elle passe, c'est incroyable. En vrai, c'était pas si loin que ça. Voilà, ça passe. Hein. Halt, restez où vous êtes. Je l'ai déjà vu quelque part. Bon sang. Enfin, pour l'instant, ça passe de fou. Hein. Voilà, halt. Ça passe de fou. Hein. Mon Dieu. Oh, les gardes de ce château sont pas capables. Attendez, j'ai à vous parler. Cette somme reste... Ah, fuck, je pensais que ça allait me cacher, mais non. Il m'a pas repéré là. Wouah. D'être ici, du balai. Oh, j'ai chaud. Oh, quelle poisse! Je l'ai perdu de vue! Vite, je le perds! Allez, plus vite! Il va s'enfuir! Ça commence à se compliquer, hein. Il a filé. C'était sûrement. Salut. Tariq n'était pas un traître, Suleiman. Lui aussi traquait les Byzantins. Pardon? Et tu l'as... Je suis désolé. Dieu me pardonne. Je n'aurais pas dû le juger aussi vite. Il fut loyal à ton grand-père jusqu'à la mort. Grâce à son courage, nous avons une chance de sauver ta ville. Oh, Tariq, pourquoi s'entourer à ce point de mystère? Quelle triste manière d'accomplir un tel acte. Les armes sont en Cappadoce. Peux-tu m'aider à m'y rendre? Oui, bien sûr. Je vais faire affréter un navire pour... Suleiman! Suleiman!
On m'a tendu un piège, pour que je passe pour un traître. Tu te souviens de Tarik, le janissaire? L'homme avec qui tu t'es querellé? Il a été assassiné. Tout le monde était au fait de notre discorde. Les janissaires m'accuseront fatalement de ce crime. Quelle terrible nouvelle, mon oncle. Mon père en sera informé. Il me fera bannir de la ville. Ah, pardonne mon intrusion. J'ignorais que tu avais de la visite. C'est Marcello, l'un de mes conseillers européens à Kefe. Buonasera. Marcello, je dois m'entretenir d'affaires privées avec mon neveu. Allez-y, je mettrai un bateau à votre disposition pour votre périple. Grazie, mio principe. Nous traquerons le responsable de ce méfait, mon oncle. Soyez patient. Bon, il a l'air un petit peu circonspect. Sans me faire repérer, il faut que je m'échappe. Mais vous pouvez pas dire à vos gardes de se calmer à mon égard. Je connais cet homme, j'en suis sûr. Ce serait bien sympathique. Alors attends, comment on s'échappe de ce palais de malheurs? Alors attends. Bon, ouais. Un tout droit par là, hein. On va essayer le tout droit par là, voir si ça passe. Bon, ça passe. Facile. Si j'ose dire. On va y arriver. À force d'essai, on va y arriver. Bon, là-bas. On peut dire ça, monsieur. Il va finir par se tuer. Il est fou, complètement. Efficace. Assassin ! Ne te bats pas seulement pour survivre, Arkadashim. Défends une juste cause. Si je peux aider les autres comme tu m'as aidé, je le ferai de tout cœur. Et un nouvel assassin. Je dois m'en aller. Non, ne me tuez pas. Je ne voulais pas vous importuner. Vous m'avez pas importuné, vous m'avez bousculé, je suis tombé comme un caca. Ce qui est blessant. C'est la maison de Sophia, oui. Le poème te plaît ?
Qui étaient ces hommes condamnés à l'enfer? Des opposants. Des ennemis politiques. La plume de Dante est acérée comme une lame, non? Si. C'est une habile manière de se venger. Ezio. Je dois me rendre à Adrianopoli d'ici quelques semaines pour visiter une nouvelle imprimerie. Tu vas t'y amuser. Je crois que c'est à 5 ou 6 jours d'ici. Et il me faudra une escorte. Prego. Oh, pardonne-moi, tu es déjà bien occupée. Sophia, je serais ravi de t'accompagner, mais mon temps est compté. C'est notre lot à tous. Je peux essayer de déchiffrer ce dernier code, mais j'ai une course à faire avant la nuit. Peux-tu attendre demain? Que dois-tu acheter? C'est idiot, mais un bouquet de fleurs fraîches. Des tulipes blanches, pour être exact. J'irai chercher tes fleurs. Laisse-moi le problème. Tu en es sûr? Oui, ça me changera les idées. Bene, retrouve-moi dans le parc à l'est de l'Aya Sophia. Nous troquerons fleurs contre informations. Ça me paraît raisonnable. Très raisonnable. C'est la pire personne à bousculer, c'est un garde. Qu'est-ce que je fais? Je bouscule un garde. Laissez-moi tranquille, monsieur. Hein. Pas fait exprès. Hein. L'Empire était juste et noble. Ça me ferait de la peine de tuer tout le monde. Il y a encore sans me salir les mains vu que j'ai mes soldats. On n'a aucun respect pour la propriété privée. Un homme avec de l'argent plein les poches, qu'est-ce que ce sera, mon ami? Des tulipes, blanches, si possible. Ah, des tulipes. Pardonnez-moi, mais je n'en ai plus. Autre chose, peut-être. J'ai eu des instructions très précises. Écoutez-moi, je sais où trouver des tulipes fraîches. Attendez-moi ici, je reviendrai dans 1 heure. 2, tout au plus. Je ne vais pas attendre 1 heure. Mais il est bizarre le fleuriste. Hein. Genre vraiment. Jamais vu un fleuriste aussi suspect. Mais qu'est-ce qu'il fait? J'escalade. Le mec se déplace comme un méchant, regardez-le. Cette démarche, quoi. Descends. Mais non, mais... En plus, il se suicide derrière, il meurt de chute. J'espère que vous l'avez vu chuter. Hein. Il était sur son toit et il a réussi à faire une chute. Mais faites attention. Comment va ta mère, en fait? La bonne...
Son meurtrier est encore en fuite. Mais il n'échappera pas longtemps à la justice. Ah. Ah. Quel échec, hein. Ce saut a été le pire échec de ma vie, quoi. Ah bah ils sont là les tulipes. Bah merci mec. Vraiment t'allais me faire payer des tulipes de jardin public là. Ah cela il compte pas, ok. Bah merde, ça marche pas. C'est bon. On a tellement galéré quoi. Ok, il faut que je répare mon équipement. Oh, bah ça s'est bien installé, hein. Qu'est-ce que c'est? Un cadeau. Viens. Que belli, grazie. Je voulais te remercier de me laisser jouer un modeste rôle dans ton aventure. Mieux vaut que ton rôle reste modeste, crois-moi. Tu es si mystérieux, Ezio Auditore. Mi dispiace. Ce n'est pas mon intention. Ce n'est rien. Et affascinante. Sembra squisito. Merci beaucoup. As-tu décrypté le dernier code? Ah, le code, si. Je l'ai déchiffré il y a un bon moment. Tu l'auras bientôt. Bon bah... la récompense valait le coup, hein. Un petit repas comme ça. C'est adorable. Combien ? 10 000 euros. J'apprécie vraiment. C'est où ? Je connais pas cet endroit.
C'est la mauvaise haleine avec la mousse des marais. C'est pas du tout là. Mais attends. Pourquoi j'arrive pas à le voir? 400 mètres par là, ok. C'est là. Il y en avait un autre là. Bah c'est pas grave. On va faire un petit voyage à pied quoi. Quelle adresse. Merci. Comprendre les règles aux étrangers. Avec le respect qu'on peut préserver la paix. Oh. On ne devrait pas dégager votre examen annuel, c'est important. Les lois du divan restent en vigueur. Même si les soldats sont... Qu'est-ce qu'ils cherchent? Le sultan a quitté Émir dans tout le monde. Cinquante mille voix. Waouh. J'ai pas l'argent. Loin de là d'ailleurs. En vrai, je pense que dans ce jeu, si tu passes ton temps à ne jamais acheter de boutique, t'es plus riche qu'en achetant des boutiques tout ça. Au final. C'est aussi bizarre que ça puisse paraître. Parce qu'en fait, pour que ce soit rentable, c'est tellement long. Mais bon, c'est un détail. Il se dirige vers une position plus facile à contrôler et plus favorable au sein de Constantinople. Les artisans transportant des matériaux lourds doivent... Oula. Ah bah nickel. On recommence. Ah, ce monument de ses morts. Ouais, on va aller là. Dernier a disparu en laissant de nombreuses dettes. Et n'est pas digne de venir. Et il participe à une course, c'est ça? Plus ou moins. Oh.
Ok, on a 11 000 à la banque encore. En vrai, il faudrait que je trouve un pigeonnier pour gérer mes soldats. Parce que là, j'ai quand même, en théorie, si j'ai bien compris les missions, énormément de pognon qui va rentrer. Plus de 10 000. Et du coup, les lancer sur une autre mission, etc., etc. Une banque. Je rêve d'une banque, n'est-ce pas? Bah nickel, hein. Là. Ces violences doivent cesser. Nous. On va faire un retrait. J'espère que c'est le début d'une longue relation commerciale. En fait, on paye. Là, on a payé 2000 pour au final 200 de revenus. Tous les 20 minutes. Du coup, il nous faut 3 heures pour que ce soit value. Et je pense que les cinématiques, tout ça, ne comptent pas ces 3 heures où tu te déplaces, etc. Venez, mes amis. Ici, le client est traité comme un vrai calife. Du coup, en vrai, c'est compliqué que ce soit value, je pense. Bon, même si je me plains, mais... Mais bon... Je pense pas qu'on soit perdant pour autant. Mais disons que comme le jeu est court, c'est compliqué de le rentabiliser. Mais en même temps, si on fait pas ça, on fait quoi de notre argent? Pas grand chose. Puis en même temps, ça me plaît. Moi, ça me plaît d'acheter des bâtiments, tout ça. Ah. Ah bah oui, on est à la recherche de... Enfin... On a eu le dernier indice, du coup on est à la recherche de la... D'un nouveau souvenir d'Altaïr. Ok.
ne devriez pas être ici, partez. D'ailleurs, on lui a pas dit à Claudia dans les lettres qu'on avait revu son ex, quoi. Je pense qu'on s'est dit, bon, ça sert à rien. Oh, il a raison. Les fables d'Ésope. T'es encore au-dessus ? Oui. En vrai, j'ai tellement de mal à me... Ok, c'est là. Non, c'est pas un pigeonnier. Mort ou en prison. Je ne resterai pas long. Non, il n'y en a pas de plus proche. Hein. C'est mal desservi, quoi. Je me plains, mais en vrai, ça va. Hey, faites attention! Dites, vous pensez pouvoir bousculer les gens comme ça? Dans le quartier, il faut trouver ces animaux. Je peux prendre un bateau. Je pense que oui. Ah non. Je sais pas, comme dans le 2 de base on pouvait, je me suis dit let's go. Mais en fait non. C'est dommage pour le coup ça. Même s'il n'y a pas beaucoup de bateaux. Bon allez, c'est l'option, c'est sympa.
l'a sûrement. Bon, c'est un citoyen à aider, du coup on va le faire. Ça aurait été une autre quête, je l'aurais pas fait, mais là ça c'est facile. Enfin c'est facile, c'est plus rapide que Fester. Voilà. On a fini. Ensemble, nous serons plus forts. Ne te laisse pas gagner par la peur. J'ai une dette envers toi, assassin. Si tu l'acceptes, je rejoindrai ta cause. Eh bien... Par contre, j'en ai croisé aucun. J'ai rien croisé pour gérer mes troufions. C'est dommage. Compliqué, hein. Oh. Ah bah je l'avais pas vu. Je pensais qu'il fallait monter tout en haut. Il y a un levier, je tire. Dans le doute, je tire le levier. Let's go. C'est peut-être pas là. Attends. Tadadam.
Qui c'est là, du coup? Dommage, je me suis foiré. On n'est pas stressé, on va y arriver. Les timers sont généreux. Peut-être un peu trop, mais ça c'est un autre débat. Non, c'est bien par là. J'ai eu un doute, mais... Non, c'est pas par là non plus. Oh là là, je me suis chié sur les cuisses. Allez, vite, hein, on a perdu quasiment 45 secondes. Là. Enfin, 15 secondes, pardon. Là, le timer va être tendu. Ouais, non, même pas. Attends. Voilà. Oh, bien joué. Hein. Échec de la synchronisation sur ce move quoi. C'est vraiment pas là? Non. Dommage. Non mais. Il y a de l'acharnement là. Quelqu'un m'en veut.
Pas possible d'avoir si peu de cul quoi. Voilà. Caméra de malheur. Ah, nickel. Bon, on va nager. Hein. Ah là là, c'est la loose. Mais au moins j'ai compris comment passer du coup, là on va y arriver. C'était évident, juste je l'ai pas vu. Ce qui est dommage. C'est pas grave. On a l'habitude. Et là, il faut sauter sur la barre. Hop là. Encore monter, ok. Ouah, ce saut. Et voilà. Encore un souvenir. En vrai, je pense qu'il y a que des trucs pas terribles dans le coffre. Bon, j'aurais pas la vérif, mais il me semble qu'il n'y a pas des trucs de ouf dedans, du coup. C'est pour ça que je les loot jamais. Bon, en vrai, peu importe ce qu'il y a dedans, de toute façon, on n'a pas besoin d'argent. C'est vrai. C'est vrai ce que vous dites, madame.
vraiment pensé. Dommage. D'autres morts suivront si vous, bons citoyens, n'aidez pas les vaillants gardes byzantins. Il s'enfuit. Que la chance vous accompagne. Il court vite pour un mort. Bah, je suis pas mort. Ce qui peut expliquer cela, quoi. Plus vite ! Il va nous semer ! Je vais pas vous semer, par contre, vous allez mourir. Au moindre petit tracas, ayez le bon réflexe. Faites appel à un professionnel. Bah alors, les gars. À quoi je vous paye, là ? Allez, où l'efficacité ? On peut pas dire que je sois fier de vous, hein. Obligé de me salir les mains, là. Bon, au moins, on va pouvoir gérer notre équipe de choc. Là, attends. 2700. C'est toujours un honneur, mentor. Si peu. Je pensais les avoir envoyés dans des trucs full pognon, mais en fait non. Après réussi 5000 à moi. Mais en fait, faut regarder l'argent en plus, ok. Mais j'avais pas compris. Ce qui est dommage. Ok, elle. Là, je gagne 1600, ok. Ah, c'est des revenus de la ville, revenus plus 150, ok. C'est ce genre de revenus, oh boah. Bon, on peut en vrai. Genre au moins comme ça, j'ai des revenus réguliers dans la ville, quoi. Enfin, pas sûr que ce soit value, hein. Revenu de la ville, plus 250, 200 XP. Je m'en fous de l'XP de la ville. Moi, je veux du pognon. Sans pièces d'or, parfait. Plus un assassin, voilà, ça peut être bien, ça. Hein. Ah, et ça, en fait, quand c'est marqué prérequis, ça veut dire je paye. Oh. C'est pour ça que je me suis ruiné, là. Ah. Ils disent qu'il hurle dans son sommeil, qu'il appelle son père. Abbas, quel misérable vipère. Ce n'est pas à nous de juger, mais bien au contraire. Si notre maître est fou,
Nous devons le savoir. Chut. Bonsoir. À boire. Bien sûr. Assieds-toi. Je te remercie. Qu'est-ce qui t'amène ici, vieillard ? Abbas inspire la pitié, mais pas le mépris. Il a vécu une vie d'orphelin, tant sa famille l'a couvert de honte. S'il cherche tant le pouvoir, c'est parce qu'il n'a rien. C'est notre mentor. Et au contraire d'Al-Mualim ou Al-Tahir, lui ne nous a jamais trahis. Mensonge ! Al-Tahir n'était pas un traître. Il a été chassé, injustement. C'est toi ? Il y a eu des rumeurs, mais je n'y ai pas cru. Je me demande si Abbas accepterait de me parler. Cela fait si longtemps. Impossible. Abbas utilise les Fedaïn pour nous tenir loin du château. Moins de la moitié des guerriers sont de vrais assassins. Alors, comment dois-je m'y prendre ? Nous t'aiderons. Bon, il a pris un tout petit coup de vieux. Al-Tahir a pris un petit coup de vieux. Leur arrive-t-il de s'en prendre aux innocents ? Hélas, oui. Seule la brutalité semble les satisfaire. Alors ils vont mourir, car ils ont bafoué nos principes. Mais ceux restés fidèles à notre credo seront épargnés. Tu peux nous faire confiance. Là, il est à fond. Là. Bon, en même temps. Il paraît qu'un vieil assassin a sauvé la vie d'un marchand dans la vallée. Et qu'il s'est servi d'une lame secrète. Des rumeurs, je n'y crois pas. Quoi qu'il en soit, pas un mot à Abbas. Il se sent déjà assez persécuté. Salut. Après, niveau discrétion, là, on peut pas faire mieux. Hein. Al-Tahir est ici, au village. Il faut l'annoncer au château, tout de suite. Assassin, avec moi. Désolé, il y a des petits coups de fatigue. Mentor. Bienvenue. Chut. Veux-tu qu'il se fasse tuer ? Il court plus vite que moi, lui, là-bas. S'il continue comme ça, j'arriverai jamais à le rattraper. Là. Wow. Mais ils ont clairement pas besoin de moi. Misérable chien, rends-toi ou tu mourras. Suivez-moi à la forteresse. Ne tuez qu'en dernier recours. Il me fait peur crier comme ça. Reste calme. À mort. Al-Tahir, deux décennies se sont écoulées depuis que tu as franchi cette porte. 20 ans, en gros. Okay. Nous avons besoin de ta sagesse. Plus que jamais. Ah.
enfin, qu'attendez-vous? Imbécile! Il vous a ensorcelé! Notre mentor est revenu. Mes respects, mentor. Bah, merci. Je combats pour toi. Pour notre ordre. Mentor. Mentor. Bah oui, bien sûr. Tu te fais désarmer une tout. Chef. Altaïr est le bienvenu. Voilà. Altaïr, ta présence m'honore. Ouais, bien sûr. Maintenant, ouais, maintenant c'est de la mort. Ah, bien joué. Mentor. Mais quelle bande de faux culs, quoi. Altaïr, c'est toujours un honneur. Ensemble pour la victoire, mentor. C'est pas nécessaire de le tuer. J'aurais pu le désarmer, il aurait été là. Mentor, enchanté de vous rencontrer. Sois le bienvenu, mentor. Dis à tes hommes de se rendre. Non, je dois défendre Masyaf. Ne ferais-tu pas de même? Tu as corrompu tout ce qui nous était cher et perdu tout ce que nous avons gagné. Tu as tout sacrifié sur l'autel de ta rancune. Et toi, tu as perdu ta vie à contempler cette bombe, préoccupé par ta seule gloire. C'est vrai, Abbas. J'ai beaucoup appris grâce à la pomme. Sur la vie et la mort, sur le passé et l'avenir. Laisse-moi te montrer. Ah d'accord, il avait ça. Il avait un flingue. Je te haïrai toujours, Altaïr. Pour tes mensonges sur ma famille, sur mon père, les humiliations que j'ai subies. J'ai dit la vérité, Abbas. J'avais 10 ans quand ton père s'est présenté à moi. Il était en larmes. Il m'a supplié de le pardonner d'avoir trahi ma famille. Puis il s'est tranché la gorge. J'ai regardé son sang couler à mes pieds. Jamais je n'oublierai cette image. Non! Mais ce n'était pas un lâche, Abbas. Il a racheté son honneur. J'espère qu'une autre vie nous attend. Je le reverrai. Et je saurai. Enfin, la vérité sur sa mort. Et quand ton heure viendra, nous te trouverons. Et le doute fera place à la certitude. Bon. Je suis vieux. Malgré les années, il a continué à se battre pour maintenir l'unité de notre ordre. Dans ma jeunesse, je l'aurais pris pour un entêté, mais aujourd'hui j'admire son courage. Les assassins étaient toute sa vie, et il n'a vécu que pour eux. Bah, j'ai envie de dire c'est beau, mais en même temps, pas tant que ça, quoi. À ce niveau-là, c'est de l'endoctrinement, quoi. C'est excessif. Il est où le plaisir de vivre ? Le mec a vécu que dans le devoir, quoi. C'est triste, un peu comme vie. Mais bon. Merci à vous d'avoir suivi cette petite vidéo. À bientôt pour la suite. Au revoir.